Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses pour cette émission qui est la dernière de la saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci pour votre présence sur ce plateau. Cela fait donc 5 ans que vous êtes archevêque de Rouen. Bientôt. Alors Monseigneur, on est dans un retour progressif à la normale, dans l'Église aussi quelque part. Mais alors pour beaucoup, le confinement a été une période quand même compliquée, qui a marqué. Est-ce que c'était clair pour vous dès les premiers jours sur ce que vous deviez faire, sur ce que devait faire l'Église? Non, pas du tout. Dès les premiers jours, on a un peu de sidération. Est-ce qu'on va effectivement, qu'est-ce qu'on va annuler, qu'est-ce qu'on va pas annuler? Et ça va être jour après jour qu'on va découvrir l'ampleur, enfin que je vais découvrir l'ampleur du désastre, si j'ose dire. Et puis les prises de conscience successives, d'ailleurs, ça nous fait réfléchir. Hein. C'est quand la mort s'approche de nous que finalement on devient sensible. Quelque chose qui est à la fois juste, parce que nous aimons notre prochain. Mais Jésus nous appelle à plus, à ce que beaucoup soient notre prochain, tous ceux qui sont le prochain pour lui. Et eh bien, ça avait commencé en Chine, et on a regardé ça un petit peu de loin. Hein. Et puis alors après, ben voilà, on était vraiment dans l'événement. Aucun d'entre nous seul, heureusement, puisqu'on était très reliés les uns aux autres pour que la communauté puisse vivre sa mission dans une espèce de grande solidarité avec le monde. Alors c'est quoi du coup l'enseignement que vous retirez de cela, pour l'Église particulièrement? Sans doute trop tôt pour avoir des vrais enseignements. Moi, je dirais qu'est-ce que j'ai constaté, qu'est-ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu par exemple, c'est une Église qui avait perdu ses frontières, qui sont parfois des barrières. C'est-à-dire? Je pense par exemple au mur de nos églises. Vous savez, il y a cette expression sociologique, il y a les pratiquants et les non-pratiquants. Il y a ceux qui sont dans les murs de l'église et ceux qui sont à l'extérieur. C'était terminé ça. C'est caduque? Terminé pendant 2 mois, 3 mois. Et j'espère d'une certaine manière qu'on va relativiser cette catégorie qui était devenue un peu trop prégnante, d'une certaine manière. Qu'est-ce que fait un baptisé ou un non-baptisé, quelqu'un qui rentre dans une église? Est-ce qu'il est si loin de cela, de celui qui est chez lui et qui cherche aussi un sens à sa vie, qui cherche Dieu? Je ne crois pas. Donc on a une communauté qui est parfois un peu trop refermée sur elle-même? Refermée ou bien avec des catégories sociologiques qui ne correspondent peut-être pas à la réalité de la vie spirituelle, de la vie humaine, de la vie chrétienne, de l'humanité qui ne peut pas se couper en deux avec des pratiquants d'un côté, des non-pratiquants, je dirais même des pratiquants d'une autre religion, des pratiquants d'une religion. On est tous, je pense, dans une même aventure. Et là, nous étions tous dans l'aventure de la lutte contre ce virus. Alors, Monseigneur, vous avez eu également des paroles fortes face au gouvernement, notamment lors du déconfinement. Vous avez dit que la liberté de culte était, je cite, la dernière roue du carrosse de la nation française. Alors, ça s'explique comment? Alors, ça, c'est à un moment précis, hein, alors que j'ai une vraie estime pour ce que le gouvernement a engagé. C'était vraiment une décision incroyable, inédite et difficile à prendre, que celle du confinement, par exemple, et puis celle du déconfinement. Ce qui m'est apparu à ce moment-là, c'est qu'il y avait effectivement une non-compréhension de ce qu'est les cultes dans la société française. Non pas la pratique, hein, mais le rôle des communautés catholiques, l'importance de pouvoir se rassembler. Je vais vous raconter, moi, une histoire qui me semble, qui m'a beaucoup touché. Dans les 6 mois qui ont précédé, 2 femmes sont venues me voir à la fin de la messe, enfin venues me voir, m'ont salué, m'ont fait signe qu'elles voulaient me dire quelque chose, donc je les ai écoutées à part. C'était 2 femmes battues. C'est-à-dire 2 femmes qui m'ont dit, chacune à leur manière, la messe du dimanche, c'est mon seul havre de paix. Mon mari ne me surveille pas quand je suis à la messe. Bon. C'est quand même assez... je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces femmes pendant le confinement ? C'est-à-dire que le culte, ce n'est pas simplement un amusement de quelques personnes qui croiraient dans quelque chose et puis une distraction de plus ou de moins comme les cinémas ou le commerce non indispensable. C'est fondamental pour un certain nombre de personnes. Alors je comprends que les non-croyants ne le perçoivent pas, mais c'était mon rôle
de dire, c'est fondamental, et pas pour s'amuser, mais parce qu'il y a des réalités très fortes, et c'est aussi au service de la société, au service de ces deux femmes qui doivent tenir, à qui l'une, j'ai pu dire, il y a des numéros de téléphone pour vous aider, est-ce que vous restez comme cela? L'autre, je lui ai dit, je vais vraiment vous prendre dans ma prière, et Dieu sait si dans le confinement, j'ai prié pour elle. Alors, Monseigneur, ça veut dire aussi cette période, des occasions d'expérimentation quelque part pour les prêtres également, avec des célébrations qui étaient souvent diffusées, retransmises, parfois plus ou moins improbables aussi. Il y en a eu, par exemple, sur le lieu de travail de personnes, et ça a pu faire notamment le buzz sur les réseaux. Quelle relecture vous en faites aujourd'hui en tant qu'évêque ? Moi, je pense que c'était important que chaque prêtre, chaque communauté puisse justement découvrir qu'on n'arrête pas l'Évangile, qu'on n'arrête pas la prière. Alors, il y a eu, par Internet, on a vraiment exploité, je crois, à fond le média numérique, qui s'est mis aussi au service, ensuite, de la prière domestique, la prière à la maison. On a vu aussi assez vite la limite que pouvait avoir. Mais ce qui me touche aujourd'hui, c'est que j'ai reçu tel ou tel courrier me disant, est-ce que vous ne pourriez pas continuer à retransmettre la messe à la cathédrale. Alors, je me dis, mais il y a le jour du Seigneur. Bon. Et puis, il y a RCF, et puis il y a KTO, bien entendu, qui ont dû augmenter leur audience. Et la réponse, c'était, oui, mais ça ne vient pas de chez nous. Important d'avoir c'est-à-dire le lien que ces personnes ont voulu, voudraient pouvoir continuer si elles sont malades, si elles sont empêchées de venir, avec l'Église locale. Et c'est un très très beau signe. Alors justement, pour un beau signe aussi pour votre Église locale, c'est ce que vous avez vécu hier, l'ordination d'un nouveau prêtre, donc la veille de la fête des saints apôtres Pierre et Paul, Vincent de Labarthe. Donc il avait témoigné d'ailleurs l'année dernière sur sa vocation. On peut le réécouter. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de lieux de vie chrétienne plus jeune, notamment le témoignage de foi de mes parents, le scoutisme, aussi le service de l'hôtel, et puis différents groupes ou activités. Et le moment déterminant, ça a été la veillée d'adoration au JMJ à Madrid, qui a été le moment d'un passage d'une vocation plus lointaine à une envie concrète de rentrer au séminaire. Eh bien, elle est centrale. Ici, dans notre vie de tous les jours, la prière occupe une place importante. Et puis, on essaye, avec notre père spirituel, de vraiment laisser la première place au Christ, parce que c'est lui qui nous appelle. Et donc, je crois vraiment que le Christ est avec nous tous les jours et qu'il m'accompagne année après année. Alors, Monseigneur, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette ordination ? C'est une grande joie. C'est une grande joie d'accueillir un jeune qui rentre dans le presbytérium, comme l'on dit, donc le groupe des prêtres, des pasteurs, surtout, je dirais, dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. J'ai entendu un certain nombre de prêtres me dire, pendant le confinement, on a vraiment été pasteurs, c'est-à-dire moins organisateurs. Il faut un peu moins d'administratifs et plus de quoi ? Plus de pasteurs, moins. Eh bien, plus de rencontres avec les personnes. Peut-être paradoxalement, dans telle ou telle paroisse, les prêtres ont tenu à célébrer toutes les obsèques. C'était pas facile pour. Parce que, d'une certaine mesure, leur emploi du temps le permettait, ce qui n'est moins vrai maintenant, hein, puisque voilà, leur charge les conduit effectivement à avoir d'autres occupations, puisque c'était la seule célébration qui était possible, celle des obsèques. Et puis les équipes des familles en deuil peuvent parfois être aussi en difficulté devant l'épidémie. Et ils ont vraiment eu le sentiment d'être pasteurs, mais pas seulement en célébrant les obsèques, mais aussi en téléphonant, en écoutant beaucoup, hein, par le téléphone, mais les quelques contacts qu'ils avaient, et puis, comme vous l'avez signalé aussi, en cherchant à ce qui était le mieux, comment utiliser au mieux Internet, en envoyant des documents, en diversifiant, mais toujours dans une relation, j'ai envie de dire, très directe avec les personnes qui leur sont confiées. Alors, Monseigneur, un autre sujet aussi, c'est la catéchèse. Elle redémarre un peu comme tous les services diocésains, quoiqu'elle ne s'était jamais vraiment arrêtée. Et justement, nous avons une responsable, la responsable diocésaine de la catéchèse, Carole Deville-Rocher, qui est avec nous. Bonjour Carole.
Bonjour François. Merci. Bonjour Père Dominique. Bonjour Carole. Alors vous connaissez évidemment, hein, c'est votre responsable diocésaine. Carole, qu'en est-il donc du caté? Comment est-ce qu'il a pu continuer ces derniers mois? Alors, un peu comme le disait le Père Dominique, quand la période de confinement a démarré, nous avons aussi réfléchi sur la manière dont nous pouvions accompagner les paroisses, puisque notre mission, c'est d'accompagner les paroisses pour leur permettre d'au mieux elles-mêmes accompagner les familles. Et nous avons essayé d'accompagner les familles en leur proposant, non pas aux parents de se transformer en catéchistes, mais de vivre elles-mêmes, parents et enfants, des temps de retrouvailles familiales sous le regard de Dieu, en se retrouvant autour de la parole de Dieu. Alors pour ça, on s'est appuyé notamment sur ce que proposent les Dominicains avec les petites vidéos Théobule pour que ce soit facilement accessible pour toute la famille. Et puis autour de cette parole de Dieu, nous avons fait un petit guide pour permettre un échange entre les enfants, avec les parents, pour savoir ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils retenaient de cette parole de Dieu. Et de voir, pardon, oui. Non, j'avais demandé également... Du coup, est-ce que vous avez des retours plutôt positifs? Ça a accroché quelque part les familles? Vous avez réussi à toucher largement dans ce qui était concerné? Alors, les catéchistes sont déçues un petit peu parce qu'elles auraient aimé avoir beaucoup plus de retours que ce que nous avons eu comme retour. Lorsque nous avons des retours, ce sont toujours des retours très positifs. Donc, c'est un point encourageant. Nous avons des retours très touchants, des familles qui nous ont dit « Eh bien, c'est la première fois que nous avons prié ensemble. » Nous n'avions jamais eu cette occasion de prendre un temps de prière avec nos enfants. Mais pour la première fois, nous l'avons fait. Bon, ça, je trouve que c'est déjà un beau cadeau, quoi, que de permettre à des familles de prier ensemble. Vous voulez réagir, Monseigneur, là-dessus? Oui, j'ajouterais que, Carole, vous avez aussi écouté les catéchistes elles-mêmes. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est que moi, les retours que j'ai eus de Carole, c'est aussi la diversité. Et je crois que c'était très important, l'accompagnement des catéchistes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu des relations directes qui faisaient ensemble vraiment notre humanité la plus profonde et l'annonce du salut et Jésus qui est venu nous rejoindre. Alors Carole, est-ce que ça n'a été pas aussi quelque part l'occasion de créer des relations différentes avec les familles, de les rencontrer un peu plus quelque part, un peu hors de la sphère classique? Alors c'est certain que je pense que les catéchistes ont vraiment pris conscience qu'il était aujourd'hui très important de pouvoir nouer des relations avec les familles. C'est déjà dans l'esprit de ce que les catéchistes vivent lorsqu'elles font le caté. Mais là, il y a une vraie prise de conscience de cette nécessité de rejoindre vraiment parents et enfants. C'est pas toujours facile parce que parfois on essaie de rejoindre la famille et quelques catéchistes n'avaient pas de réponse. Donc on est aussi confronté à cela. Mais beaucoup de catéchistes ont dit combien cet accompagnement qu'elles avaient pu faire en appelant les familles, en allant ou en échangeant par Skype ou avec Zoom, étaient des moments de partage très forts pour les familles. Parce que ça leur a fait un vrai lien pour déposer leur vie, quoi, ce qui était lourd, facile et puis plus difficile dans cette période de confinement à gérer pour elles, avec le travail à l'école. On nous a beaucoup, beaucoup dit que c'était difficile pour des parents qui étaient eux-mêmes parfois en télétravail ou qui ne savaient pas très bien non plus comment devenir instituteur du jour au lendemain. Donc, je pense que... voilà, lorsque ces contacts ont pu avoir lieu, ça a été des contacts qui ont certainement beaucoup rapproché les familles, des catéchistes et puis ben, de Jésus quelque part, parce que c'est ce qu'on est appelé à vivre, hein, c'est la fraternité en Jésus-Christ pour se retrouver ensemble. Merci beaucoup, hein, Carole, et puis bon courage pour la suite de vos activités pastorales. À bientôt, Carole. À bientôt, Père Dominique. Alors, Monseigneur, quelque part, c'est aussi l'occasion de se réapproprier la prière familiale. Oui, tout à fait. Sans aller trop vite sur le mot prière, pas seulement, c'est aussi le partage.
Vous savez, dans une famille, c'est pas si simple que ça que de s'arrêter. Et puis de partager des émotions, de partager des questions qui nous touchent un peu profondément. Ça manque ça aujourd'hui selon vous, la communication ? Ah, je pense que oui, on a vraiment à progresser. J'ai rencontré des confirmants cette semaine, quand je leur dis qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours de confirmation ? Eh bien, ils m'ont dit le silence chez les carmélites au Havre. Quand j'ai dit pourquoi, et ils m'ont répondu pour nous rencontrer nous-mêmes. Voilà. Bon, ben c'est vrai que c'est pour une bonne nouvelle quand ils peuvent vivre ensemble un tel approfondissement. Et je crois que dans les familles, il faut qu'il y ait du silence, qu'il y ait et des moments où on puisse se parler. Dans un couple, voilà, les équipes Notre-Dame ont la pédagogie du devoir de s'asseoir, on s'assoit et on prend rendez-vous parce qu'il y a une telle accélération du temps que c'est difficile. Alors, Monseigneur, aussi dans l'actualité récente quelque part du diocèse, il y a eu lundi de Pentecôte la consécration donc, de votre diocèse à la Vierge Marie, à la basilique Notre-Dame de Bon Secours. Expliquez-nous un peu le pourquoi de ce choix. C'est un vrai cadeau d'avoir pu le célébrer le lundi de Pentecôte. Vous savez que le pape François a décidé que la fête de Marie, mère de l'Église, qui n'avait pas de date, serait célébrée chaque année le lendemain de la Pentecôte, c'est-à-dire le lendemain de l'envoi en mission de l'Église, de la fondation de la mission de l'Église, pour que cette mission ait un style marial, dit-il. C'est dans son premier document, hein, La joie de l'Évangile, il termine là-dessus en disant il faut que l'Église ait un style marial. Alors c'est quoi, c'est-à-dire quoi concrètement ce style marial? Comment l'incarner au quotidien? Eh bien, une maman ne condamne jamais ses enfants. Voilà. Un accueil. Une maman encourage toujours ses enfants. Voilà. Une maman a toujours de l'amour qui déborde. Voilà. Et on ne peut pas être missionnaire si ce n'est par mode de débordement d'amour. Ce n'est pas un acte de volonté intellectuelle où je sais vraiment que c'est Jésus mon sauveur et il faut que je lui convainque que pour lui c'est aussi Jésus qui va le sauver. Hein. Mais c'est je l'aime tellement que je ne peux pas ne pas lui dire combien l'amour qui m'a sauvé moi, eh bien, va lui faire du bien. L'annonce, c'est quelque part la première des charités selon vous ? La première des charités, c'est l'amour tout court, hein, qui n'a pas de but, hein, qui ne cherche pas l'efficacité, qui ne cherche pas le nombre. Hein. Là, on a à se purifier. La maman ne demande pas, t'as combien de copains, quoi. Hein. Mais est-ce que tu es heureux? Alors, Monseigneur, il y a aussi, justement, tant qu'on est dans cet amour, cette charité, il y a aussi des beaux mouvements d'Église qui l'incarnent au quotidien, notamment dans votre diocèse. Je pense à une association qui s'appelle Schma, qui veut dire donc écoute. Hein. Donc, cette association, elle est apparentée aux conférences Saint-Vincent de Paul. Et on peut justement écouter sa responsable, Christiane Rousseau, qui nous explique un peu l'esprit qui anime ce groupe. Le mot Schma veut dire écoute en hébreu. Et c'est bien une écoute, un lien que l'on veut offrir aux personnes en grande précarité, en marge de la société, isolées, dans deux lieux d'accueil, entre qui veut. On ne demande qu'un prénom et le respect de chacun. Tous ensemble, on passe un moment autour de la table, avec un petit déjeuner tous les matins, un café les après-midi et une soupe sandwich les samedis et dimanches. On parle ensemble, on s'écoute. Ce que l'on veut être avant tout, c'est une source d'amitié pour les plus démunis qui viennent partager un petit peu d'humanité et surtout, pendant un moment, exister autrement. En dépit de toutes les fragilités qu'on sent, des tensions, parfois même des violences, Schma est toujours pour eux la famille où chacun est reconnu et accueilli. Alors, Monseigneur, être une source d'amitié, être une famille, votre réaction ? Eh bien, c'est que c'est vrai. C'est qu'ils le font, ma réaction. Y compris dans le confinement.
où ils ont dû à un moment arrêter plus ou moins, mais je vois ce moment où ils ont continué par la fenêtre. Parce que voilà, ça semblait difficile, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer physique, ensemble, voilà. Et la distance physique, etc. Et ensuite, c'est resté vraiment toujours très présent dans leur cœur et dans le cœur de Christiane que j'ai rencontré pendant le temps du confinement aussi. Et écoute, Shema, écoute Israël, hein, c'est le début, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, etc. C'est-à-dire que c'est un premier mot qui est le mot de Dieu. Hein, qui est écoute ce qu'il y a dans ton cœur. Hein. Pas seulement écoute ce que moi, je vais te dire, hein, mais c'est écoute ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Et dans ce cœur, il y a de l'amour infini et surtout un désir d'amour infini. Et pourquoi il y a cette importance quelque part de la question de la pauvreté d'un point de vue spirituel pour l'Église ? Le pape a lancé la Journée mondiale des pauvres, d'ailleurs, c'est en 2017, ça prend de l'ampleur un peu. Parce que c'est la vraie condition de l'homme. C'est la vraie condition de l'homme. Malheur aux riches, hein, dit Jésus, quand on se croit riche. Hein. Je pense que le virus a pu nous apprendre aussi notre vulnérabilité. C'était impensable de dépenser quelques dizaines de millions pour aider davantage les migrants. Et d'un seul coup, on peut dépenser quelques dizaines de milliards. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voilà. Et c'est au moment où on se découvre vulnérable et pauvre que les cartes se battent à nouveau. Hein. Et notre vraie condition, c'est d'être des pauvres, mais par la misère. Hein. Et je pense que le pape nous attire notre attention sur le combat contre la misère, contre la pauvreté, non pas comme un état d'esprit, mais comme une domination de riches sur des pauvres. Alors, Monseigneur, il y a aussi des projets dans votre diocèse qui se lancent. Je pense à l'Institut Normand de Sciences Religieuses qui est sous votre autorité, Monseigneur. C'est quoi un peu le but de cet ensemble, si je puis dire ? Alors, c'est une nouvelle naissance des 6 diocèses de Normandie. Tout à Normandie. Voilà, et qui prend la suite de 2 organismes, hein, le Centre d'études théologiques de Caen, qui a grande consistance, et puis notre centre théologique universitaire de Rouen, qui était plus modeste en nombre, mais qui a préparé et déjà aidé un certain nombre de laïcs à acquérir des compétences universitaires en théologie. Et nous avons voulu élargir cet institut à l'intelligence de la foi dans le monde contemporain. Ça concerne qui ? Ça concerne tous les fidèles baptisés, y compris les consacrés. D'accord. Y compris les diacres, y compris les prêtres, pour entrer dans une espèce de formation permanente ou initiale, hein, pour acquérir éventuellement un diplôme. Hein, on pense à des jeunes qui cherchent un peu leur chemin, peut-être on fait une grande école ou on commence un parcours universitaire, ou veulent commencer ici un parcours universitaire en donnant du sens à leur vie. Parce qu'on prépare aussi un diplôme de licence européenne qui peut donner accès à un master en éducation ou en communication ou à d'autres masters. Mais en vraiment confrontant notre foi avec le monde contemporain. Voilà. Mais pour ça, il faut quand même prendre des méthodes et des méthodes de style universitaire voilà, pour vraiment asseoir, je dirais, dans la raison la révélation chrétienne. On souhaite bon courage pour la suite donc, de cet institut. Alors, rapidement, Monseigneur, parce qu'on arrive au terme de cette émission, j'aimerais juste entendre parler un peu de Jeanne d'Arc, parce qu'évidemment, Rouen, diocèse johannique, on s'attendait donc à des célébrations importantes. Alors, quid des célébrations relatives à Jeanne d'Arc ? Alors, sans doute qu'on fêtera l'année prochaine, voilà, les 100 ans. Les 100 ans, l'année prochaine, de la première fois où l'Église et l'État ont fêté Jeanne d'Arc. Une union nationale. Une manière distincte, mais ensemble, c'est-à-dire la fête nationale d'une héroïne et la fête d'une sainte. Voilà. Parce qu'il y a une fête nationale qui a été instituée il y a 100 ans, mais c'est évidemment l'année suivante que la première fois elle a été célébrée de manière commune.
Mais moi, ce que je retiens de Jeanne d'Arc aujourd'hui, c'est sa capacité à résister aux puissants de ce monde, quand ils sont dévoyés. Et je pense malheureusement aussi aux ecclésiastiques. Tout le monde connaît l'évêque Cochon. Voilà. Bon, qui n'était pas archevêque de Rouen. Hein. On l'appelle. Voilà. Il n'était pas archevêque de Rouen. Bon, cela dit, cette jeune fille de 19 ans a su résister, alors jusqu'à la mort, hein, d'une certaine manière, hein, avec des doutes, avec des difficultés. Et je crois beaucoup en la jeunesse d'aujourd'hui, capable de résister à nos perversités d'adultes. Et je compte sur cette jeunesse. Et on terminera sur ces belles paroles, Monseigneur. Merci pour votre présence sur ce plateau. Et ainsi se termine la dernière émission de cette saison donc de la vie des diocèses, qui néanmoins redémarre à la rentrée prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au diocèse de Rouen sur son site web qui s'affiche en bas de votre écran. Cette émission, comme d'habitude, est à retrouver en replay ainsi que toutes les autres émissions de cette saison. Quant à moi, je vous souhaite de passer un très bon été.